Une petite vidéo sur un jeu Epic Games. Alors, j'aime pas Epic Games parce que je suis pas fan de Fortnite. C'est vraiment pas mon style de jeu. Je préfère l'Apex, honnêtement. Et là, c'est un jeu que j'ai découvert grâce à GeForce Now. Il s'appelle Dauntless. Et donc, vous l'avez sur GeForce Now, qui est gratuit, qui peut fonctionner sur GeForce Now. Alors, tous les jeux dont je vous parle là, vous les retrouverez sur GeForce Now. Hein? Donc, pour les versions gratuites aussi. Et donc là, on va tomber juste sur. Je ne vois plus brancher la manette. Sur des personnages qui vont aller affronter des dinosaures et des monstres géants. Et il n'y a que ça. D'accord? Mais il n'y a vraiment que ça. Okay? Il y a des petits monstres et des gros monstres. Et des très très gros monstres. Et. De mémoire, ouais, je branche une manette, je branche une manette. Se joue majoritairement à la manette. Voilà, et donc on est face à des personnages qui ont. Des terrains de chasse différents. Bon, j'en prendrai un. J'ai des missions peut-être dessus. Je suis quel niveau déjà? Au niveau 6 puissance 205, je sais pas. Peu importe, allez, je vous montre rapidement. Lancer une chasse, ascension, j'ai pas. Alors là, c'est pareil, c'est des missions où on va avoir. Une recherche automatique de groupe. Je sais même plus comment on joue un jeu. Alors je sais que c'est la manette. Alors déjà, il faut une petite manette. Et bah non, non, bah, ça fait du bien quand même. Donc on est lâché sur un groupe entier. Ça, c'est pas une bonne idée. Je sais plus où sont les boss. En fait, sur la carte, on va avoir ici en haut la présence des boss. Marqué 75 mètres droit devant. Un boss de niveau 4. J'aime plus que moi, vu. Voilà, donc là on a mis un petit chaos.
Elle vient de mourir. Alors, chaque coup qu'on va faire, on va recharger une arme. Bon, après, là, j'ai un personnage qui est plutôt bien monté quand même. Bien stuff. En gris sur la carte, c'est la position des autres personnages. Là, on a des missions spéciales qui apparaissent sur la carte. L'objectif donc c'est juste de chasser des boss comme ça.
Voilà, Dauntless. Dans ce jeu-là, on va pouvoir donc aussi équiper son personnage. Dans l'équipement, on va retrouver, donc c'est comme le principe de Final Fantasy VII, des matérias et des objets. Donc dans chacun d'entre eux, vous pouvez mettre un, deux objets. Ces objets, ils peuvent se combiner entre eux. Ils sont... C'est pas visible là. Je sors. Donc pour que je quitte la chasse. Sais plus comment on fait. Ah, retourner à Armgate. Voilà. Dans ces phases de ville, vous allez retrouver. Des magasins, des potions, des forgerons et de mémoire ici à la manière de fabriquer des cellules. Et donc ces cellules-là, qu'est-ce qu'elles ont? Vous allez voir des cellules ici qui vont permettre d'équiper votre matériel. De défense vampirique, de rage qui vont augmenter les dégâts, d'esquive, ainsi de suite. Et vous allez pouvoir équiper votre personnage directement dans l'équipement. Voilà. En changeant les cellules, qui va permettre de personnaliser votre joueur et de partir à la chasse aux monstres. Évidemment, vous avez des boss, bien entendu. Qui sont des boss d'événements, on va appeler plutôt des épreuves. Alors ils peuvent apparaître par 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Pendant ce temps, vous pouvez continuer à chercher donc du matériel en ville, faire votre commerce. Vous avez les cellules qui apparaissent de cette manière-là dans votre inventaire. Et là, les épreuves du boss, bah, par exemple, épreuve suivante. Est-ce que je prenne une grosse gifle hein, parce que c'est le boss? Alors, le maximum du stuff, c'est 20. Et chaque fois que vous améliorez votre stuff, vous avez en dessous de votre niveau un petit carré rouge qui apparaît. Là, je vais me faire poutrer, je pense, parce que je suis tout seul. Normalement, c'est par équipe. Et on tombe juste sur un. Ah,
Alors, il y a des dragons aussi, qui sont très sympas. Il y a des quêtes par élément. On est censé être 4. Donc moi dans le temps parti, je lui enlève un quart de sa vie. Allez, le cœur qui est en haut à droite, là, il clignote. On dit que j'ai déjà enlevé un quart. Donc, ça va être chaud. Et voilà. Dun place. Ah, on gagne pas toujours. Heureusement d'ailleurs. On a de très 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 beaux monstres aussi. Je vais essayer de vous montrer le dragon. Ah, il n'y a pas d'ascension en ce moment. Ah, je ne peux pas vous montrer le dragon, mais bon, voilà. Non, non, c'est bon. Et bah voilà, c'est juste pour montrer ce petit jeu-là. Un free-to-play, encore une fois, par Epic Games, qui est très bien.